Salut, c'est Aftershave pour Hashtag Studio 3. C'est Charlotte, voilà. J'ai créé un projet musical qui s'appelle Aftershave. Et donc, à travers ce projet, je fais à la fois de la composition, je produis également. Et puis, j'écris mes textes et je les chante. Je dirais que, déjà, hein, c'est l'électropop, voilà. Y a un côté intimiste dans les morceaux que j'écris, mais qui vise en même temps à l'universel de toutes les émotions et les sentiments qu'on peut avoir. Je m'inspire beaucoup du thème de l'amour, hein, évidemment. J'aime bien parler, oui, des sentiments, en règle générale, de ce qu'on peut vivre parfois intérieurement, qui est un peu compliqué, qui est un peu... J'aime bien écrire des textes où on est sur des émotions un peu comme sur le fil d'un rasoir, en fait. On ne sait jamais si ça va basculer dans le négatif ou dans le positif. Mais finalement, moi, je me rends compte que dans mon écriture, souvent, je tends à des textes qui débouchent sur une fin plutôt positive. Voilà. Quand j'ai créé ce projet musical, j'étais dans un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de renouveau. J'avais un peu besoin de faire table rase de certaines choses. Et finalement, aftershave, littéralement, ça veut dire après rasage. Et donc, ça avait vraiment du sens à ce moment-là pour moi. Et d'ailleurs, ça en a toujours. Hein, je parle un peu de toutes ces émotions, parfois un peu compliquées qu'on peut vivre. Et l'idée, en fait, dans Aftershave, c'est comment les transcender et en faire quelque chose de beau. Alter Ego, c'est... Il y a une dimension un peu voyage intérieur dans ce morceau, à la fois via les sons que j'utilise et puis les paroles, évidemment. Et en fait, je vais parler un peu de voyage intérieur, mais surtout de la rencontre avec l'alter ego, avec l'âme sœur. Keep.
Je fais de la musique depuis que je suis enfant. Voilà, j'ai fait un peu le conservatoire quand j'étais enfant. J'ai pris des cours de chant. Et puis, moi, à la base, mon instrument, c'est plutôt le piano. Quand j'étais enfant, justement, avec mon père, j'écoutais beaucoup Jean-Jacques Goldman, parce qu'il était très fan. Donc forcément, bah, je suis devenue très fan de Jean-Jacques Goldman. Du côté de ma mère, on était plus sur des playlists Hotel Coast de Stéphane de Pompougnac. Il y avait aussi Claude Chal et ses playlists Bouddha Bar. Et j'aimais beaucoup ce côté très élégant et en même temps ultra moderne. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique électro, en fait. Et puis après, j'ai des influences comme Muse, que j'aime beaucoup. Dans les influences plus récentes, il y a Tilassine que j'écoute beaucoup aussi et The Weeknd. Je suis très très fan de The Weeknd. La musique, je pense que ça fait partie de moi parce que depuis toujours, je fais de la musique, je chante. Pour moi, c'est vraiment une manière d'exprimer mes émotions tous les ressentis que je peux avoir, voilà, je les exprime en faisant de la musique, à la fois en écrivant des textes, mais aussi en composant. Et en fait, oui, je pense que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Et je pourrais pas, je pense, vivre sans musique. Ce serait compliqué. Je me souviens, une fois, je sortais d'un concert et il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Oh là là, il y a une de tes chansons... Je l'ai adoré, vraiment, ça m'a parlé parce que j'ai vécu ça. Et ça, je trouve que c'est génial parce qu'en fait, moi, quand j'écris et quand je compose, bon, je le fais pour moi aussi, hein, mais c'est aussi pour les autres. Avant tout, d'ailleurs, pour les autres, la musique, c'est quelque chose qui se partage. Les gens vivent ces émotions que je raconte comme si c'était les leurs. Et ça, j'ai tout gagné quand ça fonctionne comme ça, quand ça marche comme ça. Et voilà, c'est génial. Mon cœur bat encore. Ça parle... C'est encore un thème hein, universel hein, qui parle d'amour. Et ça parle de toutes ces amours rêvés qu'on peut avoir, fantasmés, et qui finalement n'arrivent jamais. En fait, ça parle d'amour impossible.
histoires qu'on a en mémoire et qui n'existeront pas. Trompé par l'espoir, seul échappatoire, me délivrer de toi. Toutes ces histoires qu'on a en mémoire et qui n'existent pas.